Bonsoir à tous. Qu'on soyez les bienvenus à tous les participants du monde entier. On est en train de dépasser le cas mondial inédit. Je pense que la musique était très merveilleuse. Et même la danse était merveilleuse. Donc les jeunes avec le cœur uni, on peut aller vers le monde. Dans quelque chose qu'on n'a jamais ressenti dans notre vie. Donc on veut entrer dans le monde qui est créé par Dieu. Donc j'espère que la fin de cette soirée n'arrivera pas. J'espère que cette soirée n'arrivera pas à la fin. Donc aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8 du verset 1 jusqu'au verset 1. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la place au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que c'est l'une de vous qui est sans péché, jetez le premier lapin contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendaient cela, accusés par leur conscience, ils s'est retirés un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc IYF, IYF a été créé et commencé par au nom de Jésus-Christ. Donc la personne qui a apporté le grand changement dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Si on voit le livre des gens, il y a plusieurs histoires dans lesquelles les gens ils ont rencontré Jésus et que leurs vies ont changé. Donc c'est pareil pour la femme, Jean chapitre 4. Il a né ainsi un homme malade depuis 38 ans, Jean chapitre 5. Il a né ainsi un homme aveugle né, chapitre 9. Il a né ainsi aussi Lazare qui était mort, Jean chapitre 11. Jésus-Christ, il est Dieu Tout-Puissant qui peut changer notre vie. Donc, je pense que ce camp, vous avez fait
Alors, au cours de ces commentaires, je vais vous expliquer quand est-ce que Dieu peut changer votre vie. C'est vrai que dans votre vie, il y a la douleur, la souffrance et les difficultés. Notamment, vous vivez pour la vie meilleure. 근데 불행하게도 우리가 계획했던 걸 아름답지 못하고 은혜롭지 못하고 복되지 못한 삶을 사는 사람들이 많습니다. Mais souvent il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas la vie heureuse mais ils aiment plutôt la vie qu'ils n'attendaient pas. 요한복음 4장에 사마리아 여자에 관한 이야기가 나오는데 Si on va Jean chapitre 4, il y a la femme samaritaine. 정말 행복을 원해서 멋진 남자하고 결혼을 했습니다. Alors elle voulait vraiment le bonheur et elle s'est mariée avec un homme. 그들은 정말 행복하지 못해서 이혼을 해야만 했습니다. Mais comme elle n'était pas du tout heureuse, elle a été obligée de divorcer. 또 다른 남자하고 이렇게 결혼을 해서 행복하려고 했는데. Alors, elle voulait épouser une personne pour être heureuse. 여러 번 그는 그 행복이 실망으로 그 마음에 근심으로 바꾸었습니다. Mais à plusieurs reprises, le bonheur est transformé dans le malheur, dans la tristesse. 이제는 우물 가서 예수님을 만나게 됩니다. Un jour, elle a rencontré Jésus autour des puits. 예수님 만나면 정말 그가 삶이 온전히 변했습니다. Mais après qu'elle a rencontré Jésus, sa vie a complètement changé. 요한복음 9장에 날 때부터 소경된 눈먼 소경이 있었습니다. En Jean chapitre 9, il y avait un aveugle de naissance. 그가 예수님을 만났고 Mais lui, il a rencontré Jésus. 지금까지는 자기 속에 나오는 생각을 따라 살았는데 Jusqu'à maintenant, il a suivi sa pensée qui sortait de lui-même. 자기 속에 나오는 생각하고 예수 믿는다고 굉장한 차이가 있어요. Et la pensée qui provient de lui-même et la parole de Jésus-Christ étaient complètement différentes. 사는 동안 자기 인생을 바꿔보려고 굉장히 노력을 했는데 Pendant qu'il suivait sa pensée, il avait beau essayer de changer sa vie. 그 인생을 조금도 바꾸질 못했습니다. Mais il n'a pas du tout changé sa vie. 그러나 이 눈먼 소경 예수님의 말씀을 듣고 Mais cet aveugle de naissance, lorsqu'il a écouté la parole de Jésus 지금까지 자기 생각을 따라 살던 삶을 바꿔 예수님의 말씀을 따라 사는 삶으로 바꾸었습니다. Jusqu'à présent, il a suivi sa pensée, mais il a changé sa vie. Désormais, il écoute la parole de Jésus. 그런데 이 사람에게 놀라운 변화가 일어났습니다. Et un grand changement s'est créé en lui. 모든 것이 달라졌습니다. Toutes choses ont changé. 사는 게 달라졌고, la manière dont il vivait a changé, 달라졌고, la manière dont il parle a changé, 달라졌고, et la façon dont il mangeait a changé. Donc un grand changement s'est créé en lui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la femme adultère a eu un grand changement à travers Jésus. Qui aurait voulu mener une vie malheureuse? Qui veut vivre dans les inquiétudes? Mais on veut sortir de ces inquiétudes à travers notre capacité. Mais parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on est incapable. On n'a pas la puissance, on ne peut pas s'en sortir. La femme adultère, normalement, elle devait mener une vie vraiment malheureuse. Mais du moment où elle a rencontré Jésus, mais une des choses qui m'a étonné le plus, c'est que sa pensée et la pensée de Jésus-Christ étaient complètement différentes. Alors elle était grandement surprise. Elle était grandement surprise. Donc ça, son histoire a commencé du moment où elle a commis l'adultère. Elle a été surprise en adultère. Selon la loi, lorsqu'elle est surprise en adultère, on doit la lapider. Alors on l'a entraînée vers une vallée pour la lapider. Alors beaucoup de gens, ils avaient la pierre en main. Alors ils ont craché sur elle. Ils s'est moqué d'elle. Ils ont arraché leurs cheveux, ses cheveux, et qu'on l'a ramené dans un endroit obscur. Et de nombreuses personnes, ils avaient la pierre. Il n'y avait aucun moyen d'éviter cette situation. Il était frappé, elle était insultée. Donc quelqu'un l'a craché.
dont il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Mais comme l'a entraîné, une personne a dit, en fait, on peut la lapider, on peut la tuer. Mais si on la ramène à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va nous dire de la lapider ou pas? Jésus-Christ disait souvent qu'il a aimé les pécheurs. Mais s'il dit de lapider la femme, ça veut dire qu'il est contre sa parole, qui aime les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Mais s'il dit de ne pas la lapider, ça veut dire qu'il est contre la loi. Ah, c'est très intéressant. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Donc c'est un piège, n'est-ce pas? Quand je prêche la parole, je dois penser aux interprètes. Honnêtement, j'ai pas utilisé le mot difficile, c'est pas parce que j'ai détesté l'interprète. Mais excusez-moi. Alors, même si Jésus-Christ dit de lapider la femme, ça n'a pas de sens. C'est contre sa parole. Même s'il dit de ne pas lapider la femme, c'est contre la loi. Ah, maintenant, on va mettre Jésus-Christ au piège. Alors, on l'a ramené à Jésus-Christ. Alors, ils ont placé la femme au milieu. Ils ont entouré Jésus-Christ et la femme. Ils avaient les pierres. Ils avaient la pierre. Ils étaient prêts à la lapider. Une personne a dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Maître, que dis-tu? S'il dit de lapider la femme, il disait souvent qu'il aimait les péchés, c'est contre sa parole. S'il dit de ne pas la lapider, il est contre la loi. Donc, dans tous les cas, il va être pris au piège. Alors, tout le monde, ils sont venus voir la réponse de Jésus. Une personne a dit, il a posé des questions, ils attendaient la réponse de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, sans parler, il s'est baissé pour écrire sur la terre. Alors les gens, ils étaient tranquilles. Ils attendaient pour voir ce qu'il faisait. Et après, il s'est relevé. Il leur dit, que celle de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Tout le monde était surpris. Il n'attendait pas ce genre de réponse. Jusqu'à maintenant, ils ont pensé que c'est la femme qui a commis l'adultère, ils n'ont pas pensé à leur péché. Jésus-Christ a dit que celle de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Après avoir écouté ces paroles, ils commençaient à voir leur cœur. Est-ce que je n'ai pas des péchés? Est-ce que c'est sûr que je suis sûr que je n'ai pas des péchés? Est-ce que je suis propre? Non, ils n'étaient pas propres. Et ils en avaient honte. Ils avaient honte. Ils ont seulement pensé au péché de la femme adultère, ils voulaient la lapider. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pareils que la femme adultère. Ils ont laissé la pierre et s'est retiré l'un après l'autre. Quelques temps après, il n'y avait plus personne, il n'y avait que la femme et Jésus-Christ. Jésus-Christ a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était condamné. Et la femme, elle a regardé autour d'elle, il n'y avait personne. Elle a dit non, personne. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dans cette histoire, il y avait une chose qui m'a étonné. Lorsque cette femme a commis l'adultère,
La plupart des gens pensent qu'on commet l'adultère parce qu'on a la convoitise dans le cœur. Mais ce n'est pas une réponse juste. Mais si on a la convoitise et qu'on commet l'adultère, ça veut dire que tout le monde va commettre l'adultère. Mais pourquoi a-t-il commis l'adultère? C'est vrai qu'elle avait la convoitise dans son cœur. Et c'est vrai que dans son cœur, elle avait envie de commettre l'adultère. Mais d'un autre côté du cœur, elle a pensé que si elle commet l'adultère, elle va mourir. Je vais être lapidé et si je commets l'adultère, je ne peux pas commettre l'adultère. Alors si on lit la Bible, toujours Satan nous donne la tentation, la séduction. Le mauvais esprit s'est adressé à elle. Tu vois, c'est vraiment obscur. Si tu commets le péché, personne ne le saura. Ah si, même si tu commets le péché, personne ne saura. Alors la raison pour laquelle elle a commis l'adultère, c'est à cause de la foi qu'elle avait placé un mauvais esprit. Donc j'ai enseigné les prisonniers pendant 10 ans en prison. J'ai rencontré plusieurs meurtriers. Donc j'ai rencontré plusieurs détenus qui sont condamnés à plusieurs années de prison. Je leur ai prêché la parole. Quand j'avais du temps, j'ai conversé avec eux plusieurs fois. Une fois j'étais chez moi, j'ai reçu un coup de fil. Je l'ai reçu. C'était la prison Suwon qui m'appelait. C'était un chef de prison, c'était le chef de l'éducation qui m'appelait. Il a dit qu'il a écouté mon sermon à travers la chaîne de télévision Kukdong. Il savait que moi j'étais pasteur et que c'était celui qui prêchait la parole à travers la chaîne de télévision. Et je ne connaissais pas ton numéro de téléphone. Mais une fois, j'ai reçu une magazine qui s'appelait La Bonne Nouvelle dans notre prison. Alors nous aussi, on regarde ces genres de magazines. Alors je l'ai lu. Donc j'ai tourné la première page. Sur la première page, il y avait le message de Pasteur Oksupak. J'ai donc appelé la maison d'édition. Et j'ai demandé le numéro de téléphone des pasteurs. Alors, est-ce que pasteur, vous pouvez venir à la prison des Suwon? Alors, je suis allé à la prison des Suwon. Alors, il y avait plusieurs paroles. Alors, le chef de l'éducation de la prison des Suwon m'a demandé de faire l'étude biblique. Alors, tous les lundis après-midi, je suis allé à prison pour l'étude biblique. C'est ainsi que j'ai rencontré plusieurs détenus en prison. J'ai rencontré de nombreux meurtriers. J'ai rencontré les grands criminels. Et quand je les ai rencontrés et que j'ai causé avec eux, j'ai découvert une chose très intéressante. Lorsque les détenus commettent le péché, quand ils volent, lorsqu'ils ont dérobé, et quand ils commettent le péché, quand ils sont arrêtés, ils savent que si je suis arrêté, je vais beaucoup souffrir. C'est pour ça que les gens ne font pas du mal, ils ne commettent pas le péché. Mais il y a le point commun pour ceux qui ont commis le péché qui sont venus en prison. Donc si je commets le péché comme ça, je ne vais pas être arrêté. Donc cette pensée a trompé cette personne. Alors après avoir commis le péché, ils sont arrêtés, ils sont envoyés en prison. Mais étant en prison, ils réfléchissent. Ah, pourquoi est-ce que je suis arrêté? Ah, je suis arrêté parce que j'ai laissé mon empreinte. Ah, j'aurais dû porter les gants, caoutchouc.
Alors ces gens des personnes, ils veulent sortir rapidement de la prison. La prochaine fois, si je porte les gants et si je vole, je ne vais pas être arrêté. Alors ils portent les gants, ils volent. Mais à cause d'autres raisons, ils sont arrêtés à nouveau. Mais cette fois-ci, pourquoi je suis arrêté? Et à cause de ça, si je le fais, si je ne le fais pas, je ne vais pas être arrêté. Ils ressortent, mais ils sont arrêtés à nouveau. Dans la plupart des gens qui sont entrés une fois en prison, ça ne va pas se terminer à une fois. Il va venir en prison à plusieurs reprises. Pasteur Kim Gi-sung, il était en prison. En juillet, il a lu le livre intitulé Le secret de la rémission du péché. Il a reçu le salut. Donc, il a passé 16 ans en prison. 3 mois avant de sortir de la prison. Qu'est-ce qu'il a pensé? Donc en prison, il y a le dirigeant chrétien, le dirigeant bouddhiste, le dirigeant catholique. Et ces dirigeants bouddhistes, chrétiens et catholiques, alors ces gens des personnes, ils sont presque comme les saints en prison. Ils sont très honnêtes et sincères en prison. Mais après avoir purgé la peine du péché, quand il sort, et quand il sort de la prison, il serre la main, il dit que je ne vais plus revenir en prison. Parce qu'en passant 15 ans ou 16 ans en prison, parce qu'ils ne peuvent pas commettre le péché en prison, pendant 10 ans, il n'a jamais péché. Alors il pense que même si je sors de la prison, je ne vais plus commettre le péché. Il pense que je ne vais plus retourner en prison. Mais qu'est-ce qui se passe après qu'il sort de la prison? Ah, si je fais comme ça, je ne vais jamais être arrêté. Pour quelqu'un, 6 mois après qu'il est sorti, il revient en prison. Pour quelqu'un, il revient après un mois. La plupart des gens, ils retournent en prison. Mais frère Kim Gi-sung, après avoir reçu le salut, Dieu lui a donné la sagesse. C'est ce qu'il a découvert. Alors ces dirigeants, pendant qu'ils étaient en prison, ils étaient comme les saints. Ils étaient aussi sincères que Jésus-Christ. Ils disent que moi je ne vais plus revenir en prison. Mes mains sont propres. Pendant 15 ans, je n'ai jamais péché. Je ne vais plus commettre le péché. Mais une fois qu'il est sorti, mais la plupart des gens, il revient en prison. Frère Kim Gi-sung aussi, il pensait que s'il sort de la prison, il ne va plus revenir en prison. Mais s'il sort du prison, mais en voyant les dirigeants chrétiens, bouddhistes et catholiques en prison, qui étaient meilleurs que lui, quand ils sont sortis, ils sont retournés. Alors lui, après qu'il a reçu le pardon des péchés, jusqu'à présent, il a vécu selon sa sagesse. Mais après qu'il a reçu le salut, la sagesse de Jésus-Christ est entrée dans son cœur. C'est sûr que je vais retourner en prison. Je vais passer la plupart de ma vie en prison. La plupart des gens, quand ils sortent, ils reviennent en prison. Alors, à partir de ce moment-là, il était inquiet. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui peut me sauver de là? C'est vrai que j'ai reçu le pardon des péchés. Mais j'ai l'impression que je vais retourner en prison. Ça brise mon cœur. Il voulait que quelqu'un le conduise. Mais puisqu'il n'y avait personne qu'il connaissait, mais en ce moment-là, il s'est rappelé, il avait lu le livre dont il m'a envoyé l'auteur de ce livre, moi. Parce que j'ai passé 16 ans en prison. Telle date, je vais sortir des prisons. Mais j'ai l'impression que je vais retourner en prison. Est-ce que vous pouvez m'aider, pasteur?
conduis-moi, pasteur. Alors je vais aller à votre église, conduis-moi. J'ai reçu la lettre. En ce moment-là, j'étais à Daejeon. Je lui ai dit de venir. Et lui, il a aussi écrit la lettre à son père. Il a dit que telle date, il va sortir de prison. Et il voulait aller rencontrer son père. Mais si je retourne à la maison pour te voir, je vais encore retomber dans le péché. Alors, au lieu de retourner chez toi, je vais aller à l'église. Pasteur, mon père, pardonnez-moi de ne pas pouvoir retourner à la maison. Mais là, plus tard, quand j'aurai l'occasion, je vais visiter votre maison. Il a écrit cette lettre, il a envoyé ça à son père. Son père lui a dit, c'est bien, tu me manques beaucoup, mais si tu penses comme ça, je vais supporter. Donc du coup, lui, quand il est sorti des prisons, il n'est pas retourné chez lui, il est venu chez moi dans l'église. Il a passé un an dans l'église parce qu'il y avait une chambre vide dans l'église. Il est resté dans cette chambre pendant un an. Mais au cours d'un an, Frère Gingison, il était très heureux. Il a nettoyé toutes les toilettes de notre église. Toujours, il a lavé les toilettes. Ça fait 10 jours que je suis sorti de prison, mais je ne suis pas retourné en prison. Ça fait un mois. Bon, c'est ainsi qu'il était très heureux. Si je n'étais pas dans l'église, je serais déjà retourné en prison. Ça fait déjà 3 mois, mais je ne suis pas encore retourné en prison. Ça fait 6 mois que je ne suis pas encore retourné en prison. Pendant un an, il était le plus heureux du monde. Et au bout d'une année, il est entré dans l'école des missions. Et restant dans l'école des missions, il a étudié sincèrement. Après qu'il a fini les études, on lui a présenté une sœur, il s'est marié. Il a formé une famille, il a commencé le ministère, il est devenu aujourd'hui l'ouvrier précieux de l'Évangile. Bon, ce qui est important ici, frère Kingison, la confiance en soi était écroulée. Même si je ne voulais pas retourner en prison, je ne pouvais pas m'empêcher. Donc il ne pouvait pas se confier en lui-même. Il savait exactement que par lui-même, il ne peut que rester en prison toute sa vie. Pour quelques-uns disent que si je fais les efforts, je peux le faire. Si je fais les efforts, je ne vais pas retourner en prison. Si je fais les efforts, je peux le faire. C'est comme ça que les gens pensent. Même la femme adultère, pourquoi est-ce qu'elle a commis l'adultère? Si je commets l'adultère comme ça, je ne vais pas être arrêté. C'est le cœur qu'elle avait. Elle avait la confiance en soi. Quand j'écoutais la parole des détenus en prison, il y a un point commun. Si je fais comme ça, je ne vais pas être surpris. Il est arrêté à nouveau, il revient en prison, il pense à nouveau. Cette fois-ci, je suis arrêté à cause de ça. Mais la prochaine fois, si je fais comme ça, je ne vais pas être arrêté. Donc cette personne-là, il va faire un crime parfait. Mais il est arrêté à nouveau. Je suis arrêté. Mais il pense encore, pourquoi je suis arrêté? C'est à cause de ça que je suis arrêté. Mais la prochaine fois, si je fais comme ça, je ne vais pas être arrêté. Donc la plupart des gens qui sont en prison, ils pensent comme ça. Mais parmi les gens qui sont sortis de la prison, il y a des gens qui pensent comme ça. Parce que j'avais la confiance en moi-même, j'ai commis le péché. Si je crois en moi-même, je ne peux que commettre le péché. Je ne dois pas croire en moi-même, je dois croire en Jésus-Christ. Les gens qui ont cette pensée, ils ne retourneront pas en prison. Mais les gens qui croient en lui-même, il va toujours retourner en prison. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ils font les jeux des hasards? C'est toujours la même loi, la même règle. Cette fois-ci, il a perdu beaucoup d'argent. C'est grave. J'ai perdu beaucoup d'argent. Je dois payer d'argent. Comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Je peux gagner de l'argent à travers les jeux des hasards.
il a envie de gagner de l'argent. Il a l'impression que cette fois-ci, il va gagner de l'argent. Il a l'impression que cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. Mais il perd encore l'argent. En ce moment-là, il devait réfléchir en disant que bah, la dernière fois, j'ai pensé que j'allais gagner de l'argent, mais j'ai perdu. Cette fois-ci encore, je vais perdre. Cette fois-ci, je vais encore gagner de l'argent. Cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. C'est pourquoi la plupart des gens, à cause de les... la plupart des gens, ils perdent tout l'argent et après ils se suicident. La plupart des gens, ils croient en eux-mêmes. En 1962, en mai, j'ai postulé pour le soldat des métiers techniques, mais j'ai échoué. Moi, j'avais pas de problème physique, mais le dent de devant était un peu cassé. Mais je savais pas qu'il allait prendre ça comme un problème. Donc, je suis passé par tous les départements de l'hôpital. À la fin, j'étais chez le dentiste. Alors, le dentiste, il a donné sa signature, mais la signature qu'il avait donnée, c'était différente des autres. Alors j'ai demandé à mon ami, est-ce que tu peux montrer la signature que tu as reçue? C'était différent de ma signature. Et je me suis rendu compte que je suis disqualifié. Alors je suis allé voir le dentiste et j'ai demandé, j'ai supplié. Alors le dentiste, il a demandé si je peux implanter un nouveau dent. Mais je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. J'ai supplié. Mais à la fin, le dentiste m'a dit, même si je donne ma démission, je ne peux pas te laisser passer. Donc, le dent qui est devant, comment est-ce que je peux laisser? Alors, je suis retourné à la maison étant triste. Donc, cette situation m'a appris beaucoup de choses. Avant, je me débattais pour mener la vie, mais rien n'a marché. Donc du coup, moi, je ne peux rien faire moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne dois pas faire confiance en moi-même. C'est ce que j'ai réalisé. La femme adultère, elle a été surprise en adultère. Pourquoi a-t-il commis l'adultère? Parce qu'elle avait la confiance en soi que si je commets l'adultère comme ça, je ne vais pas être surprise. Elle a été traînée, entraînée, et à la fin, elle a rencontré Jésus. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, les scribes, les pharisiens, ils ont demandé à Jésus. Cette femme a été surprise en flagrant de l'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Que dis-tu, maître? Et Jésus-Christ, il écrivait sur la terre avec son doigt. Il écrivait avec le doigt sur la terre et il s'est relevé et leur dit que c'est les dévots qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Mais lorsqu'elle a écouté ces paroles, elle a été surprise. Elle était choquée. Pourquoi? Donc, elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment insensée. Que c'est les dévots qui est sans péché, jette le premier la pied contre elle. Jésus-Christ connaissait très bien son cœur. Et en plus, Jésus-Christ connaissait très bien les gens qui étaient là. Les gens, ils voulaient lapider cette femme. Et Jésus-Christ savait que tous les membres avaient le péché. Jésus-Christ, sans rien dire, il écrivait sur la terre avec son doigt. Il s'est relevé. Il a dit que c'est les dévots qui sont sans péché, qui étaient le premier la pierre contre elle. Il était complètement choqué. Soudainement, il a comparé sa sagesse avec la sagesse de Jésus-Christ. Elle avait la confiance en soi que si je fais comme ça, je ne vais pas être arrêté.
Elle a compris le fait d'avoir la confiance en soi-même, c'était vraiment insensé et stupide. En mai 1962, et en ce moment-là, qu'est-ce que j'ai compris et réalisé? J'ai compris à quel point il est insensé d'avoir la confiance en soi. Dans ma vie, quand j'avais la confiance en soi, rien n'a marché. Je suis désolé de vous dire ceci, mais je pensais que j'étais le meilleur. J'ai pensé que j'étais intelligent. J'ai pensé que j'étais une personne de bien. C'était peut-être parce qu'il n'y avait que des stupides autour de moi. J'ai pensé que j'étais le meilleur. Alors que je suis une personne rien du tout. Et ces jours-là, c'est que j'ai compris que je suis vraiment insensé. Je suis complètement stupide. Comment une personne comme moi qui a échoué le soldat de métier, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, quand je me regardais, je me considérais comme le pire, le plus méchant du monde. Alors la femme adultère, lorsqu'elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'elle a vu? Où est-ce qu'elle a trouvé cette sagesse? Moi je suis très stupide. Moi je suis vraiment stupide, mais j'avais la confiance en moi-même. J'ai pensé que je n'allais pas être arrêté. Je me manque beaucoup de la sagesse. Mais lui, il connaissait très bien le cœur des gens. Il a fait tomber toutes les pierres. Il a telle sagesse. Pourquoi étant insensé, je croyais à ma sagesse? Moi, je vais écouter sa sagesse. J'ai envie d'avoir sa sagesse. Je vais faire venir Jésus-Christ dans mon cœur. Un jour, j'ai appelé un jeune et je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Alors, je lui ai dit sérieusement. Donc je lui ai dit que j'ai enseigné les prisonniers pendant 10 ans en prison. Et toutes les personnes qui pensaient ainsi, la plupart des gens, ils sont allés en prison. Et quand je te vois, et toi aussi tu as la pensée pareille. Mais j'espère que tu ne vas pas aller en prison. Mais si tu as tel cœur et telle pensée, la plupart des gens ils vont aller en prison. Donc les gens qui vont en prison, ils ont tel cœur et tel cœur et tel cœur. Moi, je veux que tu changes ton cœur. Il était surpris. Alors ses frères, il m'a dit, pasteur, merci. Ce que tu viens de me dire, c'est vrai. Je vais changer mon cœur. Aide-moi, pasteur. Oui, pasteur, je suis quelqu'un qui doit aller en prison. C'est vrai, a complètement changé. Maintenant, il travaille sincèrement. Il fait les affaires. C'est vrai qu'il a des difficultés, mais il gère bien. Et quand je vois les gens, il y a quelque chose que je peux voir. Le cœur des gens qui vont en prison. Les gens qui commettent l'adultère. Le cœur des gens qui volent. Dans ces cœurs, c'est pareil. Les gens qui font les jeux des hasards, c'est pareil. Les gens, ils croient en eux-mêmes. Il y a longtemps en campagne, il y avait un groupe de gens qui jouent au jeu des hasards. Tous les professionnels de jeu des hasards, ils voyagent. Ils déposent beaucoup d'argent dans la banque et ils jouent au jeu des hasards. Alors, quand ils jouent avec les villageois, il perd l'argent exprès parce qu'ils sont professionnels dans le domaine de jeu des hasards. Il perd l'argent exprès.
이 사람이 생각 아 나는 도박을 잘하는구나 그 생각을 가질 때까지. Alors il perd l'argent exprès jusqu'à ce que les villageois aient la pensée que moi je peux bien jouer au jeu de hasard. 계속 따니까. Parce qu'il gagne de l'argent continuellement. 어리석게 서울선 도박꾼들이 일부러 쳐주는 건데 그걸 모르는. Alors que ces professionnels, ils perdent l'argent exprès, ils ne peuvent pas le découvrir. 어느 날 이 사람이 자기가 도박 잘한다는 생각 딱 가졌다는 느껴졌을 때. En jeu, lorsque ces professionnels ressentent que il croit en lui-même. 그때부터 이 사람들 계속 따는 거. Et à partir de ce moment-là, il va gagner de l'argent. 이러도. Même si ces villageois ils perdent de l'argent. 도박을 잘하는 사람이라는 생각 잡혀 있어. Toujours il est saisi par la pensée que moi je peux bien jouer au jeu des hasards. 내가 도박을 잘했지만 잘 이번엔 잘 안 풀려서 그렇지. La dernière fois, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais cette fois-ci, je n'ai pas de chance. 이번에 하면 꼭 딸 것 같은 마음이 들어. Il a l'impression que s'il joue maintenant, il va gagner de l'argent. 따본 그 기분이 있고. Parce qu'il avait l'expérience. Parce qu'il y a, toujours l'expérience dans son cœur. Normalement, quand il joue, quand il perd une fois, deux fois, il va découvrir qu'il ne peut pas le faire, il doit arrêter. Mais ces villageois, la dernière fois, il avait gagné beaucoup d'argent, il avait la joie. C'est difficile et il ne veut pas abandonner la joie qu'il avait quand il avait, gagné de l'argent. Cette fois-ci, il pense qu'il va gagner de l'argent, mais il perd. Il perd à nouveau, il perd encore. La personne qui est sage, bah, la dernière fois, je pensais que j'allais gagner de l'argent, mais j'ai perdu. Ça veut dire que cette fois-ci, je vais encore perdre de l'argent. Il va s'arrêter de jouer. Mais la personne qui est insensée, cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. Cette fois-ci, je vais gagner. C'est ainsi qu'il pense. Mais les drogués, c'est pareil. Et parmi la drogue, il y a la drogue qui est appelée 3-9. C'est quoi 3-9? Lorsqu'on extrait la drogue de la cocaïne, si on peut extraire à 100% la drogue de cocaïne, c'est à 100% cocaïne. Lorsque les gens ils extraient le cocaïne de l'arbre de cocaïne, je ne sais pas quel médicament ils utilisent. Ils utilisent les médicaments chimiques. Et quand ils utilisent les médicaments chimiques, ils peuvent avoir un double de cocaïne de l'arbre. Alors la drogue appelée 3-9, ça veut dire que 99,9%. Donc 99%, c'est 100%, c'est sans les produits chimiques. Alors lorsque le cocaïne 100% pur entre dans notre corps, ça va être décomposé et que ça va sortir par pipi. Ça ne va pas rester dans le corps. Même si je prends la drogue 3-9, ça ne va pas rester pendant longtemps dans le corps et ça va disparaître rapidement. Mais les vendeurs de drogue, ils disent que c'est 3-9. Mais nous, on ne peut pas distinguer si c'est, on ne peut pas savoir si c'est le vrai 3-9 ou pas. Donc la plupart des 3-9 que les gens vendent, c'est mélangé avec le produit chimique. Si on le prend une fois, deux fois, on va être accro à la drogue. Lorsque le produit chimique entre dans notre corps, ça va rester pendant longtemps dans le corps. Si on fait une fois, on va être accro, on devient toxicomane. Quand on devient toxicomane, on ne peut pas supporter. Et à cause de ça, toute sa vie, il va ruiner sa vie. Alors les gens, à la fin, quand ils prennent la décision, ils croient en eux-mêmes. Et moi, en 1962, après que j'étais disqualifié de métier, soldat des métiers techniques, et bien avant, j'avais essayé d'aller au Japon, mais j'ai échoué à nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai fait une chose.
J'ai compris que si je suis ma pensée, je vais ruiner ma vie. Si je suis ma pensée, je vais être détruit. Une seule chose que j'ai compris certainement, c'est que si je suis ma pensée, je vais périr. De temps en temps, je suis ma pensée. Mais en suivant ma pensée, j'ai peur parce que si je suis ma pensée, je vais périr. Dans mon ministère, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de méthodes humaines. Mais il y a une raison pour laquelle je ne pouvais pas utiliser la méthode humaine. Parce que j'avais la pensée que si je suis ma pensée, je vais périr. Je n'ai pas cru en moi-même. Et la femme adultère, après qu'elle a rencontré Jésus, elle était choquée. Elle a compris à quel point elle était stupide. Elle a pensé que si elle fait comme ça, elle ne va pas être surprise. Mais elle a rencontré la sagesse de Jésus-Christ pour la première fois de sa vie. Jésus-Christ, il connaissait déjà les gens qui l'ont entouré. La parole sage de Jésus-Christ. Que c'est les dévots qui sont péchés, jette le premier la pied contre elle. Et les gens, tout le monde, ils avaient le péché. Alors les pharisiens, la femme adultère, les scribes, quelque chose qu'ils n'avaient pas, Jésus-Christ, il avait la puissance de voir le cœur. Jésus-Christ, il avait la sagesse de sauver la femme adultère. Et Jésus-Christ, il avait la force de sauver la femme, il avait le cœur de vouloir sauver la femme. Et quand on regarde Jésus-Christ, on ne peut pas savoir. Et quand on lit la Bible, nous, on ne peut pas entrer dans la sagesse de la Bible. La sagesse qui sort de notre cœur ne peut pas nous sauver. Ma méthode, ma sagesse ne peut pas me sauver de la tentation. C'est pourquoi la femme adultère, elle a pensé, oh là là, à cet homme, c'est Jésus-Christ, il connaissait, il lisait le cœur de tout le monde. Quand il dit lapider la femme, il savait que personne ne restera. Et lui, il connaissait la méthode de me sauver de la mort. Il avait telle sagesse en lui. Il a telle puissance en lui. Mais comment est-ce que j'ai vécu alors que je suis vraiment misérable et je ne connaissais rien du tout, mais j'avais la confiance en moi-même, mais je suivais ma pensée. Je pensais que même si je commets l'adultère, je ne vais pas être arrêté. Après que cette femme a découvert la sagesse de Jésus-Christ, elle était reconnaissante que Jésus-Christ l'a sauvée. Mais dans son cœur, elle a voulu recevoir cette sagesse. Pourquoi j'ai ignoré cette sagesse? J'ai suivi ma pensée parce que je pense que je n'allais pas être arrêté. J'ai joué au jeu des hasards. J'ai pensé que si je veux comme ça, je ne vais pas être arrêté. Même si je commets le péché comme ça, je ne vais pas être arrêté. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Mais ce qui est important, jusque-là, j'avais la confiance en moi-même. Mais un jour, j'ai compris à quel point il est insensé de faire confiance en lui-même. Je l'ai compris précisément. Dans tous les aspects, de temps en temps dans l'église, parmi les pasteurs, il y a les pasteurs dès qui je vais m'approcher. Il y a des pasteurs que je vais bien traiter. Mais Jésus-Christ, il ne fait pas comme ça. Même si je vais être gentil avec les frères et les sœurs,
Moi, je dois les traiter équitablement. Comment est-ce que je peux être gentil avec quelqu'un et non avec quelqu'un d'autre? De temps en temps, parmi les pasteurs, j'ai pensé aux gens qui sont plus proches avec moi. Mais Jésus-Christ, il ne travaille pas comme ça. Mais je n'ai jamais fait faire des amis des pasteurs qui sont proches de moi. Je n'ai jamais établi quelqu'un qui est proche de moi. Parce que le Seigneur est pour moi. Je suis personne, je suis quelqu'un qui a échoué. Alors, en apprenant le cœur de Dieu dans la Bible, lorsque la femme adultère a rencontré Jésus, si j'avais telle sagesse, je n'aurais pas commis l'adultère. Si j'avais appris telle sagesse, j'aurais vécu dans la lumière. Si j'avais appris cette sagesse, Jésus-Christ, il a telle sagesse. Mais j'ai ignoré cette sagesse. J'ai fait confiance en moi-même. Et j'ai pensé que je n'allais pas être arrêté. Maintenant, mais je meurs. La femme adultère, pour la première fois, elle a découvert la sagesse qu'elle n'avait pas. Maintenant, je vais croire en lui, je vais croire en Jésus. Je ne vais plus me confier en moi-même. Parce que même si je crois en moi-même, rien n'est bénéfique. À quel point est-ce que j'étais vraiment stupide de croire en moi-même? Combien d'erreurs est-ce que j'ai commis parce que j'ai cru en moi-même? Je suis arrivé à la position où je devais être lapidé. Lorsque je ne connaissais pas la sagesse de Jésus-Christ, la femme adultère, elle attendait ce que Jésus-Christ allait dire. Jésus-Christ, avec son doigt, il a écrit sur la terre. Et il s'est relevé et il a dit que c'est les dévots qui sont sans péché, jettent le premier la pied contre elle. Donc, il a fait découvrir le péché qui est dans leur cœur. Cette sagesse. Après qu'il a fait découvrir le péché qui était dans le cœur, la sagesse qui a sauvé la femme adultère, cet amour. Les pharisiens, les scribes, ils ont porté les vêtements splendides. Ils étaient là. Et le Jésus-Christ venait à Jérusalem de temps en temps. Il prêchait la parole. Et dans la soirée, il est allé à la montagne des Oliviers pour dormir. Moi, j'ai pensé souvent, une fois quand j'étais à Kimcheon, j'avais des difficultés parce que je n'ai pas trouvé la maison. Mais Dieu m'a donné une grande maison. Et ces jours-là, dans mon cœur, Jésus, toi, tu as dormi dans la montagne des Oliviers. Quand il pleuvait, où est-ce que tu as évité la pluie? Quand il pleuvait, où est-ce que tu t'es réfugié pour éviter la pluie? Quand je suis déménagé dans l'appartement Louis Civil, il y avait 4 chambres. Les chambres étaient très bonnes. Il y avait 3 grandes chambres. Mais je voulais que dans chaque chambre, je voulais mettre 4 disciples pour que tous les 12 disciples restent dans ma maison. Et une petite chambre, je peux donner à Jésus-Christ. Si j'avais cet appartement lorsque Jésus-Christ était dans ce monde, je l'aurais donné à Jésus-Christ. Pourquoi Dieu, tu m'as donné cette chambre, cet appartement? Donc maintenant, je ne vis plus dans le Richville, je vis dans un appartement qui est plus grand. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est la grâce. Le fait de manger, je suis reconnaissant. Le fait de dormir, je suis reconnaissant. Les vêtements que je porte, je suis reconnaissant à Dieu. Quand j'ai pensé à Jésus, j'ai l'impression que je vis dans la richesse. Alors que Jésus-Christ, il n'a pas vécu comme ça dans ce monde. Jésus, quand tu étais dans ce monde, tu étais vraiment dans la difficulté. Moi, j'ai la bonne voiture, je mange des bonnes cuisines.
Seigneur, qui suis-je? Ce sont des grâces que Jésus-Christ devait recevoir, moi je le reçois. La femme adultère ce jour-là, elle a réalisé à quel point, c'était insensé de croire en elle-même. Jésus-Christ a telle sagesse. Jésus-Christ a telle puissance. Pourquoi moi je n'ai pas reçu cette sagesse? Pourquoi j'ai fait confiance en moi-même? Et ces jours-là, la femme adultère, elle s'est reniée elle-même. En 1962, en mai, après que j'étais disqualifié de soldat des métiers et techniques, du mai jusqu'en octobre, pendant 5 mois, et pendant cette période, ce que j'ai pensé, c'est que si je fais confiance en moi-même, je vais périr. Depuis ces jours-là jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait confiance en moi-même. Si j'avais confiance en moi-même, j'aurais commis beaucoup d'erreurs. Croire en Dieu, et j'ai compris à quel point j'étais misérable, à quel point je suis insensé. Elle était étonnée parce que personne d'autre que Jésus-Christ pouvait la sauver. Chers frères et sœurs, vous êtes tous jeunes précieux. Si vous croyez en vous-même, le mauvais esprit vous donnera la pensée que si vous faites comme ça, ça marchera. Si vous croyez à ces pensées des mauvais esprits, vous allez échouer. Mais si vous croyez en Jésus, Jésus-Christ a la sagesse de sauver la femme adultère. Vous pouvez recevoir la puissance de Jésus. Et lorsque vous apprenez la puissance de Jésus-Christ, abandonnez vos pensées. Moi, j'ai suivi la parole de Jésus dans tous les aspects. Dieu m'a béni. J'ai pu voir que Dieu m'a béni dans tous les aspects. Chers étudiants, n'essayez pas d'abandonner seulement vos pensées, mais calculez exactement. Et essayez de découvrir et comparer votre cœur et le cœur de Dieu. Tout ce que vous faisiez, c'était le péché. Tout ce que vous faisiez, c'était se mériter d'être détruit. Vous allez découvrir que la grâce de Jésus-Christ vous conduira. La femme adultère, ces jours-là, lorsqu'elle est retournée chez elle, elle n'a rien dit. Elle n'a gardé que la reconnaissance, son cœur n'était rempli que par la reconnaissance à Dieu. Comment Jésus a telle sagesse? Personne ne pouvait me sauver de la pierre. Même en député, même si en mer vient, il ne pouvait pas me sauver. Une parole de Jésus-Christ, que celui de vous qui est sans péché, j'étais le premier la pierre contre elle. Avec ces paroles, il m'a sauvé. La sagesse du Seigneur, si j'avais telle sagesse, je n'aurais pas rencontré telle difficulté. Moi, je vais vivre ma vie à travers la sagesse de Jésus-Christ. Je ne vais plus croire en moi-même. Ainsi, elle a abandonné sa pensée. La sagesse de Jésus-Christ. Vivre selon la parole de Jésus-Christ. Je crois que vous aussi, vous allez mener la vie bénie par Dieu. C'est comme ça que je faisais. J'ai abandonné la confiance en soi. J'ai accepté la parole de Jésus. Pendant que je vivais avec le cœur de Jésus-Christ, il était vivant dans mon cœur, il travaillait. Il m'a conduit à prêcher l'évangile dans le monde entier. Et je suis reconnaissant qu'il a ouvert le chemin. La femme adultère, elle a comparé sa sagesse et la sagesse de Jésus-Christ. Lorsque la femme les a comparés,
Il a découvert une chose qu'il ne connaissait pas avant. Que la sagesse de Jésus-Christ et sa sagesse n'étaient pas incomparables. Beaucoup de gens, même s'ils croient en Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui vivent selon leurs pensées. Alors qu'ils échouent toujours dans sa vie, alors qu'ils font beaucoup d'erreurs, mais ils pensent cette fois-ci ça va marcher. Les drogués, les gens qui sont dépendants de jeux de visée, jeux de hasard, et tous ces gens-là, ils croient en eux-mêmes. Abandonner toutes ces pensées, si nous croyons en Jésus-Christ, la sagesse de Jésus-Christ vous permettra de vivre comme Jésus-Christ. Vous vivrez dans la lumière et vous vivrez avec la puissance de Jésus. Le temps s'est beaucoup passé. Il est tard. J'espère que vous soyez heureux. Souvent, comparez vos pensées et la pensée de Jésus. Découvrez à quel point vous êtes stupide. Si vous abandonnez votre sagesse, vous pouvez recevoir la sagesse de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, vous deviendrez pareil que Jésus-Christ. Vous deviendrez les enfants de Dieu que Dieu prend plaisir. Et dans tous les aspects, je crois que Dieu vous accordera la grâce. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. La femme adultère, elle a été arrêtée. Et personne ne pouvait la sauver. Mais Jésus est venu. Par la sagesse de Jésus, tu l'as sauvé. Tu lui as donné l'espoir. Tu lui as donné la reconnaissance. Et tu lui as donné le cœur de Jésus-Christ. Et quand elle vit avec le cœur de Jésus, elle devient la petite de Jésus. Et elle va éclairer le monde. Ici, beaucoup de jeunes du monde entier se sont réunis ici. Que Dieu les bénisse. Permets-nous de ne pas être trompés par Satan et vivre selon notre pensée. Permets-nous de vivre selon le cœur de Jésus. Fais-nous les enfants de Dieu. On va être comme Jésus et que Jésus-Christ va se manifester à travers nous. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.